même pris une avocate. Une avocate que tu connais bien, en plus. Ben, je vois pas ce que ça change. Bah, puisqu'il s'est passé entre vous, vous pourrez t'en vouloir et s'acharner. Je suis à peine sorti 2 semaines avec cette fille. Je suis content qu'on ait parlé. Ça me prenait la tête, tu sais. Je t'aime. Bon, qu'est-ce qui se passe? T'as des soucis au lycée? Non. Avec ta famille? Avec ton mec? Je suis pas une mec. T'as bien fait d'insister, en fait. J'ai pas compris ce qui t'a remis dedans. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Quoi exactement? Oui? Je voudrais vous aider à coincer Denis Bellia et pour ça, je suis prêt à faire des heures supplémentaires s'il faut. Vous connaissez le délai de paiement des heures supplémentaires, Leroux? Ça m'est égal. Je veux dire, Jean-Paul est dans le pétrin, c'est mon ami, je peux pas rester là sans rien faire. Je la sens pas, cette meuf. T'as peut-être raison. J'espère que j'ai pas dit de conneries. J'ai fait un rêve merveilleux cette nuit. J'étais dans un jardin avec Ninon. Et à côté, il y avait une petite fille blonde et un petit garçon qui te ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Ninon attend un bébé. Eh ben, c'est merveilleux, ça. Oui, mais c'est pas ça, le problème. Enfin, bel arrière-petit-enfant, c'est un cadeau de la vie. Mais oui, mais ça me gâche le plaisir que Ninon me l'ait caché. Oh, tu l'aurais bien appris un jour ou l'autre. Ah oui, quand ça? Dites, paraît que vous allez à un groupe de parole. Ouais, c'est pour ceux qui ont des problèmes de couple. En tout cas, moi, ça m'a permis de comprendre un truc. C'est que finalement, j'allais plutôt bien. Ouais, les histoires sans lendemain, tout ça, c'est exactement ce qu'il me faut.